Bonjour à toutes et à tous, c'est Uiti, j'espère que vous portez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, on est parti, je suis avec la Steamer. Alors, j'ai réorganisé un petit peu les sorts juste pour pouvoir faire les combats plus facilement. Attends. Tac. Du coup, alors le problème du combat et de en général, c'est que. Enfin, je me suis mis en disponible au tout début. Voir s'il y a des gens, mais je me fais spammer aussi de questions, pas que des gens qui veulent jouer, aussi des questions, donc c'est vraiment pas la solution. J'ai pas spécialement envie de me faire spam, surtout j'ai commencé à jouer comme ça, et puis en vidéo je me suis dit bah c'est un gros problème parce que en fait vous avez pas apprécié le fait que les gens me spamment en vidéo. Du coup, alors là, pour l'instant ce qu'il faut faire, c'est genre XP level, je sais plus exactement combien. 3000 d'XP. 19. Et je voudrais tester. J'ai toujours pas ma coiffe bouffe tout ça qui me fait chier. Mais donc bah tout à l'heure. Alors ça c'est peut-être un peu léger quand même comme groupe. Alors que là c'est un peu trop gros. 3000 d'XP l'arachné qui va quand même aller loin. On va tester du bouffe tout. Tac. Ah ouais, ça se tente comme challenge. On va le laisser venir. Tac, et on va faire harpo, hop, hop. J'ai mis les trois boutons à la suite parce que bah, c'est ce que je fais tout le temps. Tac, on va laisser tout ça. Je vais passer, on va le laisser le tuer. Hein. Tac, voilà. Gérer le tchal. Ah, sympa le drop. Franchement, sympa le drop. J'aurais juste XP level 19 pour aller affronter le Doppel Yop ou un truc comme ça. Que j'avais justement réfléchi à faire avec vous et que je me suis dit ce serait peut-être plus sympa de le faire en vidéo. Alors j'ai regardé qu'est-ce qui était plus intéressant que ce soit au niveau tout simplement. Ah, attendez, je vais essayer de faire le tchal. Hop. Tac. Alors que ce soit au niveau bah tout simplement de l'appréciation de la vidéo, c'est-à-dire que vous ayez du plaisir à regarder, que ce soit aussi au niveau bah, du gameplay. Ah putain, alors ça m'énerve. Gardienne. Peut-être ça va peut-être un peu le bloquer. Tac. En espérant qu'il tue le bouffe-tout. Ouais, super. Le bouffeton, plutôt en premier. Tuer ma gardienne, c'est ça. Ah bon, lui il vient de taper, hein, il a pas peur. Bon allez, là je le tape. Le bouffe-tout qui lui va se faire. Ouh, va se faire soigner par ma gardienne, super. Et on peut pas cuirasse. Non, j'ai pas ça. Je n'ai pas, je n'ai pas. Ben non, en fait, on va laisser le bouffe-tout finir. De toute façon, voilà, il soignera pas beaucoup. Enfin, le marpeau finir. Allez, on est bientôt level 19. 18, pardon. Alors. Ouais, ça, c'est large faisable. Ah, c'est gagné comme challenge. Hop. Ah, bah, génial! Super, elle me tape à cette distance, quoi, 5 PO. Faut que j'enregistre la PO, parce que voilà, elle va me taper à chaque fois, je vais juste. Hop là. Et est-ce que là, c'est bon? Tout à fait. Il y a un peu trop de monde dans ce groupe. 300 requis d'XP, je crois que même si on va à forêt des arachnides, ça va nous débloquer un petit peu le truc. Ouais, combien? 1500 d'XP. Parfait. D'ailleurs, au niveau des succès, j'ai réfléchi. Parce que c'était un peu plus simple comme ça. Ça aurait été, je pense, intéressant pour moi. Alors attendez, j'essaie de poser ici. De faire les succès, les méta-succès de déplacement. Mais bon, j'ai pas non plus la méga envie. C'est-à-dire que quand je joue sur le jeu, j'ai plus envie de prendre plaisir à jouer. Oh bah là, je tacle pas du coup. Ça existe pas, aspiration? Bon, bah, tant pis, je pourrais pas le faire. Parce que je me fais tacler par les deux. Tac. L'arachné quand même qui avance bien. Et par contre, tu pourras pas tuer l'arachné. Il faudrait que je la tue moi-même. Voilà. Level 18. Ouais, c'est pas exceptionnel finalement. Le bouffe-tout qui mange de l'herbe, qui est en train d'arracher l'herbe. Franchement, au niveau des. Enfin, des combats et au niveau de l'XP, j'ai pas trouvé beaucoup mieux que les bouffe-tout. Hein. Je vous le dis, hein, franchement, hein, j'ai testé. Alors attendez. Ça. J'ai testé, honnêtement.
J'ai testé les sangliers et je trouve pas que ce soit dingue parce qu'en fait c'est beaucoup plus long. J'ai testé quoi d'autre? J'ai testé les pioux, les trucs comme ça. C'est long aussi. Enfin, il y a plein de choses qui sont longues. Hein. Il va venir me taper, voilà. Ouais, fini. Normalement, il devrait finir. Tac. Ouais. Ça tape bien la harponneuse, c'est vraiment très pratique. Ah, j'ai droppé du sang de mouftou. Et 5000 d'XP, ce qui est vraiment pas mal. Du coup. Ah, je vais peut-être aller chercher le zap. Ça me fera explorer les zones. Tac. Ouais, il est par là. Ça, par contre, je gère pas du tout, quoi. Donc, faut faire vraiment super gaffe. Ça aggro, je suppose, en plus. Je sais pas trop. Il me semble que non, en fait. Ça aggro pas. C'est que les vrais gros Roi 5 et Roi 5 qui sont dans leur petit monde en haut. Alors, on va essayer d'y aller. Tac. Alors, le problème, voilà. Donc, du coup, par rapport au. À ce que je vous avais dit, je voudrais juste up level 19, un truc comme ça, pour pouvoir faire un petit peu ce que je veux. Alors, je voudrais au moins avoir le Doppel pour avoir les clés. Et dans ce cas, oh, un archi! Garcim le mort. Ah bah ouais, il doit y avoir personne qui fait les archis. Ah bah ouais. Parce que le ocre, à mon avis, il va pas être fait tout de suite, hein. Tac. Et oui, j'ai le zap. Lesquels je peux utiliser d'ailleurs? Un Macna. Oh, on peut, je pense qu'on peut tenter. Allez, je vais aller tenter le Doppelyop. Et puis du coup, après, on va aller XP au chauffeur. Pas au chauffeur, au Scarafeuil. C'est des gens qui m'avaient MP pour ça. Tac. On va aller voir. Déjà, essayer de tuer le Yop. Bon, si je meurs, ce sera un petit peu dommage. Mais bon, il y a moyen, je pense, quand même de le gérer. Le Doppelyop, toi, pas taper des masses non plus, hein. J'ai 280 de vita. Bon, en tout cas, j'espère que qu'on va le gérer. La dernière fois, on l'avait fait sur le serveur en bêta, je crois, de serveur en ombre. Et c'était bien le Yop que j'avais fait et qui était faisable avec l'Osamoda, parce que l'Osamoda avait juste à envoyer son invoque. Et l'invoque allait la taper. Bon, j'espère en tout cas que ça va bien se passer. Allez. Bah, l'Osa, voilà, avait les invoques, forcément, c'était un peu plus simple. Allez, bonne chance! Combattre chaque Doppel, oui, si jamais je l'ai fait plus tard. Commencer l'entraînement. C'est moi qui ai l'initiative, déjà, ça c'est super. Je vais pouvoir lui caler directement une tourelle sur la tronche. Eh ben non, je ne peux pas. Et je ne peux même pas ancrage. Ah 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 ah. Je peux pas courant. Je peux peut-être gardienne. Si jamais j'ai des problèmes de soins. Voilà. Je vais me caler ici. J'ai même pas la PO quoi. Il va peut-être bon, ouais. Ok, bon, ça va. Harpo. Où est-ce qu'on pourrait la mettre pour pas trop. On va l'évoluer quand elle aura pris des dégâts. Dame. Tape à 24, il a 176 points de vie. À combien il tape? 22. 21. Il vient me taper. On va faire. Sais pas s'il évoluait maintenant. Ouais, ce serait bien aussi. Tac. Je pense que le Yop va venir me chercher maintenant. Il va courir vers moi. Voilà. Il a que 3 PM en même temps. Alors, je vais faire un scaphandre. Tac. Ouais, je gère, hein. Franchement, je gère. Si jamais j'ai un problème, je cours vers ma petite garde. Je vais même essayer de faire le tchal, ça pourrait être intéressant. Et ouais, j'ai géré le tchal. Voilà. J'ai juste à laisser taper avec Marpeau. Et voilà, elle finit tranquillement. Non, franchement, large faisable. Hein. Honnêtement, c'était vraiment pas difficile. Donc j'ai le Doppelyop. On va faire acheter trousseau de clés. Donc ça c'est bon. Comme ça j'aurai le trousseau à vie. Et le parchemin de sort. C'est quoi? Brise-lame. D'accord, c'est brise-lame. Je ne savais pas que c'était brise-lame. En même temps, je n'ai jamais joué Steamer. Enfin, je connais le sort brise-lame. Et du coup. Oui. On va faire. Voilà ça. On va regarder ce que ça donne. On reste 4 points de sort et j'ai donc brise-lame qui s'est rajouté. Ok. Qu'est-ce que j'aurai? J'aurai Ressac au level combien? 21. Donc bientôt. Et au level 20, je pourrais aussi équiper
Ma panoplie. J'ai pris quand même pas mal d'XP. Ça pourrait peut-être être intéressant aussi de faire les Doppels. Je sais pas si je gère tous les Doppels, et voilà. Vous voyez, au level 18, truc comme ça. On pourrait essayer le Kra aussi. Peut-être qu'il tape un peu à distance, mais si je m'approche et je le tape, ça devrait le faire. Il doit pas taper à 280. Quoique, il a 200 points de vie. Peut-être que le Yop est un petit peu tendu pour moi. Le Kra est un petit peu tendu. On va voir. De toute façon, tant que j'ai l'ini, ça devrait aller. S'entraîne avec un Doppel, commence l'entraînement. Ouais. J'ai l'initiative déjà, c'est quand même un gros bonus. Alors, à combien je la mets? Voilà, Evo, ancrage. Tac. Boum. 34, il a 160 points de vie. Alors, est-ce qu'il va venir me taper moi? Est-ce qu'il va trouver une zone? Eh ben non, même pas. Il va juste retirer des PA. Alors, moi, est-ce que j'ai de quoi la sauver? Bon, je vais juste faire le tchal, hein. Est-ce qu'il va venir? C'est ça la question que je me pose, c'est est-ce qu'il va venir ou tout simplement taper le Doppel? L'Harpo. Ah ouais, il tape hyper fort. Tac. Moi, je vais faire un scaphandre. Et Armure de Salon, tant pis si je l'ai pas. Juste pour faire le challenge. Ah non, il va faire ça à chaque fois. Clairement. Et il va se cacher d'une et voilà. Bon, il va falloir avancer. Je crois que je vais mettre une harponneuse un peu plus en avant. Allez, c'est parti. Tant pis pour le challenge. Au moins j'avance parce que là, il faut taper. Voilà, il va venir. Ah, il va peut-être me retirer beaucoup de PA en fait. Ouh, c'est peut-être dangereux ça. Et non, ça va. Qu'est-ce que je pourrais le faire? Courant, ça attire ça en plus. Ça marcherait pas. On va taper. Hop, et on va faire ça et ça. Tac, je vais le laisser aller taper justement ma harpo. Est-ce qu'il fait la paire de deux? À mon avis, il va se faire péter. Non, je peux y aller. J'ai en profité pour y aller. Ouais. Parce que là, il va taper. Bam! 35 en crit. GG. Je gère, hein. Mais il tape, il tape, hein. Il tape, il tape. Faut pas croire. Ah ouais, c'est chaud, là. Harponneuse, je vais faire plutôt. Ouais, mais elle va me taper, moi. Je voudrais pas qu'elle me tape. 3, 4, 5. Ah ouais, elle me tape forcément. On va quand même boucher les lignes de vue. Ah mais non, ça a pas tapé là. Ouh, ça va être chaud. Il reste 40 points de vie. Allez, tape mon ami. Bim. Ouais, s'il me tue pas là ce tour-là. Eh, il a de la PO, hein. C'est un truc de dingue, hein. Il a de la PO. C'était juste. 1, 2, 3. Et c'est fini. Voilà. Avec le tchal, super. Ouais, ça fait XP bien quand même. Hein. Non, c'est pas mal aussi. Ça fait la petite quête. Ouais, non, c'est pas mal. 2100, puis ça fait 4000 par combat. Combat qui dure pas extrêmement longtemps. C'est jouable, c'est jouable. Du coup, on va se mettre en dispo. On va voir. Alors. Je sais pas ce qu'il y aurait comme challenge justement. Bah on va descendre vers les Scarafeuilles. Vous voyez, regardez, 4000, alors que le combat va être long. C'est pas extraordinaire. C'est pas foufou. Tac 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 tac. Un sanglier et une arachnée agressive. Ouais, plus de vie agressive. Et c'est un vrai sanglier aussi. 100 de vie avec des poussières. C'est pas facile facile. Bon, ça fait. Je me suis mis dispo à 19. Et c'est le serveur Ombre, hein. C'est pas autre chose. Hein. C'est pas genre la bêta ou le serveur Offi où vraiment tout le monde sait que je suis co. Parce que là, je me co vraiment aléatoirement. Ouais. Alors. On va descendre, en fait ce que je veux c'est aller aux Scarafeuilles, parce que apparemment il y a des gros groupes qui XP à Scarafeuilles. Ah bah ouais, les zones sont vraiment farmées quoi.
Des mecs qui ont des teams et tout, c'est violent, hein, c'est violent. C'est du farming intensif. À bordure de la forêt. Ouh, le groupe de presspic que je ne ferai jamais de ma vie. Franchement, les presspic, c'est le truc qui fait le plus flipper, quoi, parce que les groupes de presspic, quand ils sont à vie, c'est horrible. Vraiment horrible. Bon, les amis, en tout cas, j'ai pas trop envie de vous montrer de la course, donc j'arrive dès que j'ai trouvé un petit coup sympa. À tout de suite. Et recoucou tout le monde. Donc, je viens de voir vite fait. Les gens, en fait, disent que c'est ça qu'il faut faire pour XP rapidement. En fait, les gens aussi, ils sont au niveau de la zone à côté du Zap. Il y a beaucoup de chefs de guerre, du coup, c'est ce qu'ils font. Apparemment, il y a des gens. J'ai proposé. Next, il est là-dedans ou pas? Ouais, c'est bon. Du coup, on peut faire des petits groupes de Scarafeuil. On fait à 8. C'est XP plus? C'est XP moins, non? Je sais pas trop. Je pense que c'est XP moins si on le fait à 8. De toute façon, on va faire un petit combat. Et ce sera tout pour aujourd'hui. On a quand même fait le Doppel, vraiment intéressant. Ouais. Je trouve pas que c'est XP des masses non plus, hein. Je suis vraiment déçu, genre de ce genre de combat. Oula. Je vais faire un Scarafeuille qui le suit ou quoi? Qu'est-ce qu'il fait le Scarafeuille? What the fuck? Oh! Par contre, toi tout seul, c'est XP masse. Hein. Flammes et cheveux, après, c'est pas dingue, mais. Ouais, je vais essayer, pourquoi pas. Bon, en fait, je vais essayer. Je vais voir ce que ça donne au niveau du combat. Parce que ça tape plutôt fort, le Scarafeuille, il me semble. On va tester. On va tester. Combien ça a de vie? 400, clé moins de 50, terre. On va faire harponneuse. Ça. Et ça, hop là. Juste tester pour voir si ça marche bien. Alors combien ça tape? Alors il va s'attirer dessus et ça va péter à combien? 16. Ouais, c'est jouable, mais par contre si on s'approche trop des scarafeuilles. Ouh, 117! What the fuck? Oh, c'est rox. C'est violent. Un petit boost dommage. Combien je tape là-dessus? Est-ce qu'il y a moyen? Je vais booster au scaphandre. Zzz, 60. Avec les 17 dommages. Ou 85. Ouh. Bot. Et puis un petit pulsar. 80. Ouais. Sans problème. Tac. Et j'ai up level 19, ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal, pas mal. J'ai rien monté d'autre hein, pour l'instant, à part. Je pourrais peut-être monter l'harpo. Je vais la monter bientôt. Level 5. Il faudra deux levels. Donc au level 21, je pourrais la monter level 5. Ta 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 la ta ta la. Ah, j'ai même pas regardé où il a mis sa pose. On est combien? Ah ouais, on est beaucoup en fait. Mais est-ce que beaucoup c'est intéressant? Je pense pas, hein. 8000, ah ouais, si, 8000 c'est intéressant. Ils sont combien? 1, 2, 3, 4, 5. Il y en est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas? Allez, on va voir ça. C'est intéressant à long terme. Moi, c'est ce qu'on m'a dit que les gens faisaient, ce qu'ils XP ici. Mais faudrait que je finisse de drop ma coiffe bouffe en fait, finalement. Comme ça serait peut-être plus intéressant d'avoir la full panoplie. Du coup, je vais mettre en solo. On va retirer ça. Ah, il se met devant, ouais, parce qu'il a l'initiative. Non. Moi, je joue que le Steam. Alors. Qu'est-ce qu'il va nous faire du coup? Il peut taper terre en plus, je suppose, le Kra. Il doit avoir la punitive, voilà. Clairement, il a la punitive.
Tchal ou pas? Est-ce qu'on fait le tchal? Ok. Bah alors je vais le booster. Sur la gardienne est un peu trop loin. Façon, je laisse faire. Faut juste booster le Kra quoi. Avec ses 7 PA, il n'y a pas moyen qu'il ait des PA plus facilement. Je sais pas trop. On va voir. Ouais, c'est peut-être pas à nous de booster. Ouais, 70%. 70%. Pas dégueu. Sais pas ce que vous en pensez, moi je pense que 70% c'est pas dégueu. On va le faire quand même. Parce que là, le temps qu'on va le mettre à le faire. Bon, si un roublard prépare les bombes. Oh, ça se fait. Non, ça se fait, je pense. Une Uscara rouge. 300 de vita. Ah oui, il est level 15. J'ai 295, moi. 85, pardon. Et ma cape est plutôt dégueulasse. Clairement. 6 vita. Ça pourrait être supérieur là-dessus quand même. Il peut taper peut-être pas d'ici quand même. Donc Aïf prend le feu. Il a bien raison. Ouh, ça tape fort. Hein. Prochain tour, il aura la punitive. Ça va taper. 70! What? Et là, ouais, il va prendre de la vita lui. Il va taper encore plus fort. Bim. Non, ça va. Ça va, ça va. Alors, j'ai pas vu si c'était 100 de puissance pendant combien de temps? Un tour encore. Oui. On va avancer. La gardienne, tant pis. J'ai rien d'autre à faire. Hein. Clairement, j'ai pas scaphandre. Ouais, il faudrait qu'il la tire pour qu'il puisse placer sa punitive. Non, il veut pas. Non, c'était pas ça. Botte-le du coup. Cocktail. Botte. Botte le Kra. Ça me va. Tu peux même. Un mur. Même pas. Bon, du coup, c'est pas grave, c'est l'Enu qui va taper un petit peu. Ouais, parce que le scarafeuille bleu, s'il va dans le mur, bah ouais, ça fait quand même des bombes à préparer, quoi. Ah, elle sacrifierait son attirance plutôt violente. Qui veut de la PO? Rox, t'inquiète. Rox, t'inquiète. 66, ouais, si, ça va aller vite. Franchement, ça va aller vite. Je me fais pas de soucis à ce niveau-là. Hein. La punitive plus. Parce que là, il a la botte plus l'évolution plus le tir puissant. Bim. Allez, ciao. Par contre, il a plus de LDV. Voilà. Hop là. Ma gardienne level 1. En plus, ouais, pour avoir les sorts, genre. Oula, pourquoi des robades? Ah, pas mal. Pas mal l'idée. Pas mal l'idée, pas mal, pas mal. Ouais, faut botter encore à chaque fois, je pense. Pour booster le crâne en dommage. Non, désolé, je. Je suis un petit peu fatigué, grosse journée, il va taper la bombe. Ouais, il va se faire taper de toute façon par. Par l'Enu. L'Enu va finir. Tranquillement. Ouais, j'aime bien l'idée de faire des petits épisodes comme ça. Bon, ça dure.
30 minutes, mais bon, d'un autre côté, ça vous fait apprécier la vidéo. Je pense qu'il peut même frapper le scarafeuille. Hein. Oui. Voilà, personne ne tapera aussi fort que lui, je pense. Qu'est-ce qu'il va nous pouvoir nous faire comme. Je sais pas s'il a. Non, je pense pas qu'il ait d'autres flèches, à part voilà. Double immo. Je vais le booster. Ah non, t'en vas pas. Tant pis. Hop là, un petit peu de soin. Ils invoquent des petites merdes de flamèche. Bon, de toute façon, bah, je passe mes tours et voilà, parce que c'est pas plus intéressant de faire autre chose. Allez, Sacrior, level 45, qui a l'absorption. Je sais pas trop comment sont gérés les sorts. On va voir ça. Alors, une petite botte. Il va peut-être botter les nuls pour qu'ils soient boostés, je pense que ce serait le must. Faire un rebours, même je sais pas au level combien c'est rebours. Ce sera toujours ça parce que sur des lancers de pièces, c'est quand même intéressant. Clairement. Pourrait même sacrifier les bombes, je pense. Hein. On va voir. On va voir ce qu'il fait. En tout cas, il tape fort, hein, cocktail. Oula, pourquoi il fait ça? Oui, quoique ça permet de pas avoir les bombes sur le tas. Bon, il peut avoir pas mal de fois ligne de vue. Là ou là. Je pense qu'il va se rapprocher. Vers ici, voilà. Pas trop s'éloigner de nous non plus. Ouais, c'est sympa. Hein. Franchement, ça rocks les ennemis. Hein. On dit ce qu'on veut et il aura pas assez. Pour faire la punitive, il faut qu'il vole un PM absolument. Ah non, mais de toute façon, il s'en fout. Voilà, il préfère roxer. Moi, je n'ai rien d'autre à faire. Franchement, le roublard, je l'aurais pas à l'Evo. Dommage. Dommage, dommage. Je peux pas la pousser. Non. Et je l'aurais pas à l'Evo. Non. Bon, pour l'instant, le steamer, c'est cool à jouer, mais bon, c'est vrai qu'en PVM, c'est pas exceptionnel le steamer, quoi. Il y a bien mieux, c'est juste pour le plaisir de jouer steamer, quoi. Chacun pour sa pomme. Oh, il peut encore une fois botter pour booster, c'est tout, quoi. Oui, voilà. Bon, le Scarafeuille vert va mourir de toute façon, peu importe ce qui se passe. Ah, il pourrait cop, hein. Possible de cop. Je sais pas au level combien c'est la cop. Ah, ben voilà, j'ai eu la réponse. Bon ben voilà, pas le level pour. De toute façon, s'il fait des pulsars, à mon avis, lui, ça va être violent. Bah, de toute façon, il faut qu'il booste. Non, pas de guild. Non, pas de guild. Ah ouais, mais moi, je peux pas y aller encore une fois. J'ai pas genre l'aspiration, des trucs comme ça. Non. Alors, roublabot et ouais, il peut faire roubla et bombe. Ça peut être intéressant. Je voulais les veaux, mais là ça va faire mal. Ouais, il va faire ça, bombe et roublabot. Donc ça veut dire qu'il a dû tuer un doppel pour aller chercher le roublabot. Plutôt cool. Attention. Combien il va se prendre déjà de dommages? 300! Wouh! Sympa! Non, franchement, sympa. Ça a l'air plutôt cool. Ça, on passe tous nos tours et c'est terminé. Ça a mis 6 tours. Oh, ça va hein, pour le challenge. Il y avait 6 monstres, ça fait un monstre par tour à peu près. Grosso modo, au calcul. Voilà! Alors, combien on a XP du coup? Parce que j'ai pris un niveau intéressant. J'ai pris 13 000 d'XP, non, c'est pas dégueu. 54%, ouais, ça va. C'est 12, 10 minutes, donc c'est un petit peu long, mais ça va.
pense que 3 bouffes tout, 4 bouffes tout, c'est un peu plus vite. Enfin, en tout cas, avec le tchal, ça se laisse manger. Bon, bah, sur ce petit combat avec challenge, je vais vous laisser. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas que voilà que si vous arrivez à me choper en jeu pour pouvoir jouer ou XP ou faire des trucs, pas pour me poser des questions, mais vraiment pour jouer parce que je veux que ce soit réservé pour ça, n'hésitez pas. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée à toutes et à tous et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures. Je vous aime, bye bye!